بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد مبارك سعيد للجميع، وأعاد الله عليكم هذا العيد بالصحة والعافية والخير الكثير إن شاء الله. نبدأ اليوم إن شاء الله بسم الله درس جديد في اللغة الفرنسية، وهو الدرس 17 إن شاء الله. Alors nous sommes le dimanche 13 novembre. Donc, comme nous avons déjà dit, le dimanche c'est un nouveau cours et le jeudi c'est un cours de révision. Donc, aujourd'hui nous allons voir un nouveau cours. Ce sera un cours de conjugaison, inshallah. Donc, aujourd'hui, nous verrons la conjugaison. Conjugaison. Et nous allons conjuguer donc les verbes au passé composé. La conjugaison aujourd'hui sera en le passé composé. Bien. Alors, je dis aux nouveaux étudiants bienvenue. أقول للتلاميذ أو للحاضرين الجدد أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في دروس اللغة الفرنسية. وإذا كانت قد فاتتكم دروس كثيرة، دونك الآن وصلنا إلى الدرس 17، يمكنكم الرجوع إلى قناة الدارين، وهناك ستجدون كل الدروس على يوتيوب. Alors بالنسبة للتلاميذ الذين يحضرون معنا دائما أو للحاضرين القدماء، أقول لهم إن سنستمر اليوم بلا كونجوغيزون، دونك avec le passé composé. Alors nous avons déjà vu le passé composé des verbes du premier groupe, mais aujourd'hui nous allons voir le passé composé de tous les verbes. Hein? Comment on conjugue les verbes au passé composé. اليوم سنرى le passé composé بالنسبة لكل الأفعال. أولا le passé composé أي أن هذه الكلمة تعني le passé يعني الماضي كومبوزي المركب، الماضي المركب. إذا هذا الماضي المركب كيف يتم ولماذا نسميه الماضي المركب؟ لأنه يتركب من
من شيئين، الأول l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe. إنه مركب من أمرين أو شيئين، أولا l'auxiliaire être ou avoir et le participe passé du verbe. Alors ما يهمنا أكثر اليوم هو les auxiliaires. متى نستعمل الأوكسيليار être ومتى نستعمل الأوكسيليار avoir et كذلك le les participes passés. يعني هناك في اللغة الفرنسية le participe passé ينتهي على خمسة أشكال وسنرى كل شكل والأفعال التي تنتهي بهذه الطريقة. Bon. Alors, premièrement, le passé composé. Le passé composé désigne une action accomplie. Une action accomplie signifie une action terminée. Hein? Le passé composé yatina ou yulin ala anna l'action et il fait est terminée. Ntaha. Indama usarrif fi'l fi le passé composé. يعني أن الفعل انتهى في حدوثه في الماضي و دونك وكذلك يدل على une action qui n'est pas loin du présent. Ce n'est pas un passé lointain. يعني ليس ماضي بعيد في القدم ولكنه ماضي قريب من الحاضر. لذلك هو يعتبر le temps composé du présent. يعني يعتبر الوقت المركب للحاضر. الوقت المركب للحاضر. Donc nous avons le présent. C'est un temps simple. هذا وقت بسيط. والوقت المركب للحاضر هو le passé composé. Alors je vais écrire tout cela. الماضي المركب نستعمله كثيرا في المحادثة في الكلام يعني عندما نكتب نقرأ نتكلم نستعمل le passé composé أكثر من le passé simple. Donc je vais donc fermer le chat pour pouvoir écrire d'abord la définition et après nous passerons à la conjugaison des verbes au passé composé. Alors, je ferme le chat. Alors, le passé composé désigne, yani yadullu, une action à la fiol désigne une action accomplie. Ça veut dire accomplie, yani muntahiya, hein? Fi'l muntahi. Accompli signifie, donc je vais mettre entre parenthèses, achevé. Achevé, ça veut dire terminé aussi, ou terminé. Yani fi'l muntahi. Alors, le passé composé désigne une action accomplie, cela signifie une action achevée ou terminée, dans un passé, fimadi, non loin du présent. Du présent. C'est le temps du passé le plus utilisé. Hada yani zaman l'aktar istimal zaman al-madi l'aktar istimal fi l'langue française. C'est le passé composé et le temps composé du présent de l'indicatif. C'est le temps composé du présent
De l'indicatif. C'est le temps composé du présent de l'indicatif. C'est pourquoi dans la conjugaison, les auxiliaires être ou avoir sont conjugués au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe conjugué. Alors, dans la conjugaison, nous trouvons alors la conjugaison du passé composé est constituée de l'auxiliaire être ou avoir, plus le participe passé du verbe conjugué. Du verbe qu'on conjugue. Voilà. Alors, premièrement, je vais faire un rappel des auxiliaires. Les auxiliaires être, avoir sont conjugués au présent. Hein? Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Et avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont et elles ont. Donc voilà la conjugaison des auxiliaires être et avoir au présent. Plus le participe passé. Alors là, le participe passé, il a plusieurs formes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il a cinq formes. Alors ces cinq formes, nous allons les voir chacune à part avec les verbes qui se conjuguent de cette façon-là. Alors je commence d'abord par rappeler la conjugaison des auxiliaires au présent. La conjugaison des auxiliaires au présent. Alors, commençons par l'auxiliaire être. Pardon. Alors, je suis. Tu es. Il est. Où elle est. Nous sommes. Vous êtes. Et ils sont, elles sont. Alors, pour l'auxiliaire avoir, donc, nous allons faire dans la même chose. Non, je reviens ici. Alors, là, avoir. J'ai. Tu as. Donc tout ça, c'est un rappel. Il a, parce que nous avons déjà vu le verbe être et le verbe avoir au présent de l'indicatif.
Donc, c'est seulement pour vous rappeler ces verbes-là. Je vais mettre nous ici. Nous avons. Vous avez. Oh là là. Ils ont. Et elles ont. Voilà, ça c'est le rappel des auxiliaires être ou avoir au présent. Parce que le passé composé se conjugue avec un auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé du verbe conjugué. Alors, j'ouvre le chat pour voir est-ce que tout va bien et après nous passons au participe passé. Alors, est-ce que tout est clair jusqu'à maintenant? Parce qu'on n'a pas encore vu grand-chose. Bon, يعني الوقت الوقت تصريف الفعل. Bon. Bon, alors puisque tout est clair, je vais changer l'indicatif هذا صيغة لتصريف الأفعال تسمى الإنديكاتيف وهي صيغة واقعية يعني أن الأفعال المصرفة في هذا المود يعني في هذه الصيغة تكون كلها واقعية يا في الحاضر يا في الماضي يا في المستقبل يعني الفعل حدث حقيقة. Alors, je vais changer de tableau pour donner donc les différentes formes du participe. Et je vais fermer le chat. OK. Alors, je commence ici par le participe passé. Le participe passé. Alors, il existe cinq formes du participe passé. Il existe cinq formes du participe passé. Alors nous allons commencer par la première forme, le participe passé en et à la fin. En et à la fin. Je vais donner un exemple. Exemple, j'ai travaillé. J'ai travaillé. Alors vous voyez que j'ai l'auxiliaire avoir, j'ai, et le participe passé, c'est travailler. Travailler se termine avec E accent aigu à la fin. Donc c'est la forme avec E à la fin. Maintenant, nous allons voir quels sont les verbes qui se terminent avec et à la fin au participe passé. Alors là, ce sont tous les verbes qui se terminent par er. Premièrement, tous les verbes
les verbes qui se terminent par ou les, on les appelle les verbes en ER. Les verbes en ER à la fin. Les verbes en ER à la fin, c'est-à-dire les verbes du premier groupe, plus, hein, on ajoute à ça les verbes être, alors, plus le verbe être, être. Alors, le participe passé du verbe être, c'est été. Été, par exemple, j'ai été. J'ai été. Et il se termine par et à la fin, lui aussi. Donc, été est le participe passé du verbe être. Nous avons aussi le verbe naître. Le verbe naître. Le verbe naître. Alors, naître, yani, oulida. Le verbe naître, yani, oulida. Ah, pardon. Naître. Yani, oulida. Alors, je dis, je suis né. Je suis né. Alors, vous voyez, le verbe naître se termine par « et » à la fin. Voilà, donc, pour les verbes qui se terminent par « et ». Alors, tous les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par « er » à la fin, et aussi les verbes « être », le verbe « être », le participe passé du verbe « être », c'est « été ». J'ai été. Et le verbe naître, le participe passé du verbe naître, c'est né. Je suis né. Wulidtu. Hein? J'ai été. Yani kuntu. Et je suis né. Wulidtu. Voilà. Alors maintenant, deuxième forme du participe passé. Alors la deuxième forme, c'est le participe passé qui se termine par e. Par i. Le participe passé en i à la fin. Alors ça, c'est le verbe qui se termine par i à la fin. Alors je vais donner un exemple avant de continuer. Alors exemple. J'ai fini. J'ai fini. Avec i à la fin. J'ai fini. C'est le verbe finir. Ana intahaytu min amali matalan. J'ai fini de travailler. Intahaytu min al-amal. Alors maintenant, ma hum al-af'al allati tantahi bi-i, hiya tous les verbes qui se terminent par ir. Tous les verbes qui se terminent par IR, tous les verbes en IR à la fin, c'est-à-dire les verbes du deuxième groupe, hein, les verbes qu'on appelle les verbes du deuxième groupe, sauf, alors il y a des exceptions, on a un cas, استثناءات sauf alors استثناء هو le verbe courir le verbe venir كذلك le verbe tenir et leur composé bien sûr leur composé ça veut dire les verbes comme venir, revenir. Venir, revenir. Ils se conjuguent de la même façon. Plus les verbes ouvrir. De même, les verbes mourir.
Alors, ces verbes-là ne sont pas des verbes du deuxième groupe, mais ils se terminent par IR. Et tous les autres verbes qui se terminent par IR, même s'ils ne sont pas des verbes du premier groupe, comme le verbe sortir, par exemple, je suis sorti avec I à la fin, même s'il n'est pas un verbe du deuxième groupe, il se termine par IR et il se termine avec I au participe passé. Mourir. Et aussi le verbe acquérir. Hein? Et acquérir, donc ce sont les verbes qui font exception. Acquérir. Acquérir, yani, mtselaka, shay, mtselaka, shay. Alors maintenant, les autres verbes qui se terminent par i au participe passé. Alors nous avons dit tous les verbes en ir, que ce soit les verbes du deuxième groupe, c'est-à-dire tous les verbes du deuxième groupe, plus des verbes du troisième groupe qui se terminent par ir. Alors ils ont un participe passé avec i, sauf les verbes courir, venir, tenir, ouvrir, mourir et acquérir. Alors, les autres verbes qui se terminent par i aussi, nous avons quelques verbes en re. Quelques verbes en, c'est-à-dire qu'ils ont à la fin re. Comme le verbe rire. J'ai ri. Hein? Le verbe sourire. J'ai souri. Le verbe suffire. Il a suffi. Le verbe luire. Et le verbe nuire, luire, yani, suffire, yani, ektefa, ou luire, yani, lema'a, et nuire aussi, hein, nuire, nuire, ya, asa'a, asa'a, et suivre, 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 tabi'a. Alors, أعطي أمثلة بهذه الأفعال لكي لا يصعب علينا استعمالها. مثلا أقول J'ai souri à mon ami. يعني ابتسمت لصديقي. J'ai souri à mon ami. Je donne un autre exemple. Alors, par exemple, il a nui à ses camarades. Il a nui à ses camarades. يعني أساء لأصدقائه، إلى نوي أسي كامراد، أساء لأصدقائه. ومثال آخر مثلا، j'ai suivi le droit chemin. J'ai suivi le droit chemin. يعني اتبعت الطريق المستقيم etc. دونك هذه فقط أمثلة لتروا أن في نهاية الـ participe passé
à la fin du participe passé, il y a un i, hein, à la fin du verbe conjugué. Voilà. Donc, voilà deux formes. La forme avec e, donc tous les verbes du premier groupe qui se terminent par er, plus le verbe être avec un participe passé en été, et le verbe naître avec un participe passé né. Alors, par exemple, j'ai été, je suis né. Et un deuxième type de participe passé, donc c'est le participe passé en i, qui se termine par i. Exemple, j'ai fini. Et ça, c'est tous les verbes en ir, c'est-à-dire qui se terminent par ir à l'infinitif, comme les verbes du premier groupe, donc tous les verbes du premier groupe, pardon, les verbes du deuxième groupe, pardon, plus quelques verbes du troisième groupe, sauf le verbe courir, le verbe venir, tenir, ouvrir, mourir et acquérir, plus quelques verbes en re, hein, plus quelques verbes en re. Ces verbes sont le verbe rire, j'ai ri, le verbe sourire, j'ai souri, le verbe suffire, j'ai suffi de courir. Par exemple, j'ai suffi de courir signifie j'ai arrêté de courir. Hein? Luire, lama, nuire, yani sa'a, suivre, tabi'a, etc. Ou appelle ba'd al-amthila, j'ai souri à mon ami, yani ibtasamtu li sadiqi, il a nui à ses camarades, asa'a li rifaqih, j'ai suivi le droit chemin, tabatu at-tariq al-mustaqim. Voilà, donc je vais ouvrir le chat pour voir est-ce que tout va bien jusque-là. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Si vous avez des questions, donc posez-les avant de continuer. Alors, courir, yani jara, yajri. Ouvrir, fataha. Ouvrir, fataha. Courir, jara. Venir, ata. Tenir, masaka. Mourir, mata. Et acquérir, iktasaba. Le droit chemin, ou at-tariq al-mustaqim. Rire, ou dahika, ou sourire, ibtasama. Je suis né, je suis né. Non, hada laysa passif, hada actif. Je suis né, wulidtu, hein? Fi l'wakt al-madi. Je suis né à Tanger, par exemple. Wulidtu fi Medina Tanja. Ah, alors imam, les participes passés du verbe courir et acquérir, nous allons les voir avec les autres types de participes, hein? لا نستبق الأحداث لأن سنراهم فيما بعد مع الأشكال الأخرى ل الparticipe passé. Alors, luire يعني لمع. Alors, deuxième groupe هي محمد et le troisième groupe هي مسألة المصدر. كيف ينتهي المصدر؟ المصدر في نهايته إذا كان IR, فهو un verbe du deuxième groupe. Il a كان المصدر IR ou la conjugaison مختلفة عن الأفعال التي تنتهي ب IR يصبح الفعل من المجموعة الثالثة يعني troisième groupe. وهذا درس آخر سنراه في يوم من الأيام إن شاء الله. Alors, luire تعني لمع. نعم. هل هناك سؤال آخر قبل أن أستمر؟ لا، هذه المجموعة فقط. Quelques verbes en re، يعني هذه الأفعال هي rire, sourire, suffire, luire, nuire et suivre. فقط. La différence entre passif et actif. Actif هو عندما يكون الفعل هو الذي يقوم بالفعل، pardon، عندما يكون الفاعل هو الذي يقوم بالفعل،
وباسيف هو عندما يكون الفاعل ليس هو من يقوم بالفعل، ولكن هناك شخص آخر يفعل ذلك. عفوا، شريت، ميرسي. الأفعال السابقة استثناؤها. C'est-à-dire courir, venir, tenir, etc. Alors, ces verbes, انا قلت لكم سنراها عندما نرى الشكل الآخر من الparticipation. سأقول لكم كيف تتصرف. لا نسبق الأحداث، نمشي خطوة 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 لكي لا تختلط علينا الأمور. طيب، ليس هناك سؤال آخر؟ Bon, alors je vais fermer le chat pour continuer. Alors, passons maintenant. Au participe passé qui se termine par U. Le participe passé en U. Alors, à la fin du participe passé, نجد U وليس E وليس I كما رأينا بالنسبة للمجموعة الأولى والثانية. Alors, بالنسبة لهذه الأفعال، هناك donc الأفعال التي تنتهي pardon التي تنتهي ب U à la fin هي tous les verbes en voir. Tous les verbes en voir, c'est-à-dire qui ont un infinitif qui se termine par voir, comme le verbe avoir, comme le verbe exemple. Le verbe avoir. Je vais donner un exemple. Exemple. Avoir. Alors, j'ai eu. J'ai eu. J'ai eu. C'est eu est le participe passé. Du verbe avoir avec u à la fin, eu. Alors, tous les verbes donc qui se terminent par voir sauf le verbe s'asseoir et c'est composé. Le verbe sauf s'asseoir. Alors, s'asseoir, yani je laisse ça. Ce soir, il y a le verbe jalasa. Le verbe voir aussi. Et c'est composé. C'est composé, yani alladin yatakawanun ou takawanu min master voir, yani revoir. Revoir. Voir, revoir. Revoir est le composé de devoir. Voilà donc les verbes qui ne se terminent pas par U seulement au participe passé. Donc sauf s'asseoir et voir et ses composés. Alors, nous avons aussi beaucoup de verbes. Qui se termine par re à la fin, donc beaucoup de verbes en re, c'est-à-dire les verbes qu'on appelle les verbes du troisième groupe, beaucoup de verbes en re. Alors on va donner des exemples, c'est-à-dire les verbes qui se terminent par être,
être. Sauf naître, nous l'avons déjà dit, donc comme connaître. Connaître, c'est composé. Alors, le participe passé de connaître, c'est connu. J'ai connu. J'ai connu le verbe connaître. Alors, les verbes vont être sauf, bien sûr, sauf, nous l'avons déjà dit, sauf naître. Naître, nous l'avons vu, il se termine par et à la fin. Je suis né, hein, sauf naître. Alors, kadalik, les verbes qui se terminent par ouatre. Ouatre. Comme le verbe croître. Croître. Pardon. Pardon. Croître. Le dit Annie Kabura. Nadaja. Mittel. L'arbre a cru. L'arbre a cru. ونطلب الانتباه هنا لأن le verbe cru هناك le verbe croire الذي عنده نفس le participe passé cru j'ai cru. ولكن الفرق هو l'accent circonflexe هذا le petit chapeau الذي ترونه فوق ال U هذا هو الفرق الذي بينهم كذلك les verbes qui se terminent par R A I R E R comme le verbe plaire plaire. وهنا لمعرفة كل هذه الأفعال يمكنكم أن ترجعوا إلى بشغال la conjugaison avec بشغال. Alors مثلا donc plaire أظن مثال il a plu au directeur يعني il a plu يعني عجب عجب المدير يعني المدير عجبه هذا الشخص il a plu au directeur sauf donc هذه الافعال التي تنتهي ب r sauf le verbe faire et traire et leur composé sauf le verbe faire faire et traire. Traire yani halaba et leur composé. Traire yani halaba et leur composé. Retraire, faire, refaire, transfert, etc. الآن les verbes qui se terminent par war. War, O-I-R-E à la fin. Comme le verbe croire. Yani saddaqa. Croire, saddaqa. Alors mitel. J'ai cru. J'ai cru en son histoire. يعني صدقت قصته j'ai cru en son histoire صدقت قصته و إذا أريد أن أثير انتباهكم donc cru le verbe croire et cru le verbe croître لاحظوا أنها تكتب بنفس الطريقة CRU CRU seulement avec le verbe croître il y a un accent circonflexe sur le U donc ce qu'on appelle un chapeau sur le U mais pour le verbe croire il n'y en a pas hein. Il y a j'ai cru sans accent circonflexe
Alors, les verbes qui se terminent par war, donc tous les verbes qui se terminent par war, ils ont un participe passé avec u à la fin. Nous avons aussi les verbes lire, donc lu, participe passé lu, j'ai lu, le verbe élire, yani intakhaba, j'ai élu, takhabtu, élire, intakhaba, j'ai élu. Je vais donc donner les participes passés. J'ai lu un livre. J'ai lu. Pardon, j'ai. J'ai lu. Un débuté. Ou j'ai lu un politicien, j'ai lu un ami. Sadiq, etc. Bien. Attention, حاضر سأغير سبورة. أوكي. سبورة جديدة. وي. Voilà. Je continue. Alors, je continue ici avec les autres verbes. Alors, le verbe conclure. Verbe conclure et exclure. Et exclure. Alors, conclure, il y a l'akhasa ou khatama, chez, bi talkhis ou bi stintaj. Ou exclure, il y a stetna ou akhraja, min al majmoua. Donc le participe passé c'est conclu. J'ai conclu par un verset coranique. C'est-à-dire khatamtu bi sura coranique. J'ai conclu par un verset coranique. Un autre exemple, par exemple, j'ai exclu l'indésirable. J'ai exclu, pardon, exclu l'indésirable l'indésirable. يعني أنني استبعدت الغير المرغوب فيه، استبعدت الغير المرغوب فيه، l'indésirable. Alors, sauf, donc هذه الأفعال مثل conclure و exclure, sauf le verbe inclure, inclure, الذي يعني ضمن شيء يعني ضمن انكلو يعني ضمن اي ركلور ركلور يعني الشخص الذي يبتعد للزهد مثلا ان ركلو هو المبتعد او الزاهد هناك كذلك لي فيرب vivre. Alors,
et c'est composé. Donc, le participe passé du verbe, c'est vécu. J'ai vécu toute ma vie à Tanger. يعني عشت حياتي كلها في طنجة في مدينة طنجة. le verbe moudre, moudre, moudre يعني طحن, ها طحن أو طحن ليصبح طحين. résoudre يعني résoudre un problème, يعني كيف أقول résoudre un problème هو حل حل résoudre هي حل حل المشكل résoudre un problème. j'ai moulu le blé, j'ai alors je vais donner l'exemple, j'ai moulu le blé. Le blé يعني طحنت القمح. و j'ai résolu ce problème. J'ai résolu ce problème. أي أنني حللت هذا المشكل. حللت هذا المشكل. Alors, les verbes comme moudre et résoudre se conjuguent donc au participe passé avec un U à la fin, sauf le verbe coudre. Sauf coudre. Non, le verbe coudre ne fait pas exception, il est cousu. Hein? Coudre aussi. Coudre, il ne fait pas exception, non. Alors, exemple, j'ai cousu ma robe moi-même. Yani, akhadtu, coudre ou akhad ou haka. Haka, yani, min al-khiyata. J'ai cousu ma robe moi-même, يعني أخذت حكت أو خيطت ma robe, يعني فستاني بنفسي. Hein? فستاني بنفسي. Alors maintenant, les verbes courir. Alors on a, وصلنا le verbe courir. Le participe passé du verbe courir, هو couru. J'ai couru après le chat. J'ai couru après le chat. يعني جريت وراء القط. Le verbe venir. Je suis venu le premier. Le premier. يعني أنا جئت أولا. Et le verbe tenir. Exemple, j'ai tenu ma promesse. يعني أنني أمسكت بوعدي يعني لم أخلف وعدي أمسكت بوعدي j'ai tenu ma promesse. كذلك le verbe vêtir 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 يعني ألبسة. Je suis vêtu. Vêtu.
يعني أني لابس، je suis vêtu d'un djellaba. يعني أنني لابس جلباب أو جلابة. Voilà, donc مجموعة كبيرة من الأفعال التي هي أفعال المجموعة الثالثة troisième groupe, les verbes en re à la fin. Ils se conjuguent presque tous avec re, avec, pardon, u au participe passé. Voilà. Maintenant, nous allons voir la troisième forme. Pardon, la quatrième forme. Alors, la quatrième forme, c'est le participe passé avec S à la fin. Le participe passé avec, pardon, c'est en S. En S à la fin. Alors, sont tous les composés du verbe prendre. Alors, les verbes qui se terminent par tous les composés posés du verbe prendre. Ils ont un S à la fin. Alors, prendre, entreprendre, reprendre, ils se terminent tous avec S à la fin. Donc, je donne un exemple. J'ai pris des vacances. J'ai pris des vacances. Akhatsu, otla. Kedalik, du verbe mettre. Du verbe mettre. Mettre, remettre, transmettre. Tous les composés du verbe mettre. Donc nous avons j'ai mis une robe pour la fête. J'ai mis une robe pour la fête. Yani labistu. Là, le verbe mettre bimana labessa ou rtada. Labistu ou wadatu fustan. للحفلة. ارتديت فستان للحفلة. Le verbe acquérir, le verbe acquérir كذلك. Acquérir. يعني اكتسب. J'ai acquis de l'expérience. J'ai acquis de l'expérience. تسبت تجربة. Le verbe s'asseoir. Le verbe s'asseoir. Alors, je me suis assis. Je me suis assis sur une chaise. Je laisse à la coursi. Je me suis assis sur une chaise. Je laisse à la coursi. Kedalik, le verbe circoncire.
Concire, concire. Circoncire, yani khatana, hein, khatana, l'enfant est circoncis, l'enfant est circoncis, ou le médecin a circoncis l'enfant, le médecin a circoncis l'enfant, يعني الطبيب ختن الطفل, circoncis l'enfant. كذلك le verbe clore, clore, clore يعني تفتح بالنسبة للورد, la fleur éclos, hein? La fleur. On va mettre un deux points ici. La fleur éclos, éclose, close. Donc, je dirais bien le bourgeon. Il y en a l'accord. Il y en a. تطابق الاسم مع الparticipe passé أو الفاعل مع الparticipe passé سنراه بعد قليل. دونك سأعطي ب ان ماسكولين, يعطي مثال بمذكر لكي لا أدخلكم في متاهة. دونك لو بورجون, اي كلو. Le bourgeon est clos, ça veut dire le bourgeon, hein, le bourgeon, morlaq, morlaq, clos, yani morlaq, clore, il y a morlaq, écloré, il y a tafattaha, hein, écloré, il y a tafattaha, donc clos ou morlaq. Alors, il y a un autre affaire. كذلك le verbe inclure, ça qu'elle a mené à قبل قليل, inclure. Inclure, inclus avec S à la fin, j'ai inclus le dimanche dans mon travail. يعني أدخلت يوم الأحد في عملي. عادة يوم الأحد لا نعمل. J'ai inclus le dimanche dans mon travail. يعني أدخلت يوم الأحد في عملي. etc. Donc هناك أفعال أخرى, وأنصحكم بالرجوع إلى le bachelor, hein, la conjugaison avec bachelor, bachelor, pardon, avec bachelor, pour retrouver tous ces verbes, Becherel. Le participe passé maintenant en T à la fin. Le participe passé en T à la fin. Alors là, vous avez les composés du verbe dire. Du verbe dire. Alors, j'ai dit. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Le verbe
écrire. Littéral, j'ai écrit une lettre. كتبت رسالة. Le verbe frire. Frire, يعني قلى من القلي. Hein? J'ai frit les pommes de terre. J'ai frit les pommes de terre. يعني قليت البطاطا أو البطاطس. Le composé كذلك du verbe faire. J'ai fait mes exercices. Du verbe traire. Yani, halaba. J'ai trait la vache. يعني حلبت البقرة. Et bien sûr, nous avons aussi tous les verbes. Tous les verbes qui se terminent par ouir. Qui se terminent par ouir. Comme le verbe cuire, j'ai cuit, cuire yataha, yathu, j'ai cuit, yani tahaitu, j'ai cuit un œuf, tahaitu baida, conduire. J'ai conduit la voiture. J'ai conduit la voiture. Sokto Sayara. Kedalik. Alors, tout sauf. Alors, n'est-ce pas les verbes ouir, sauf le verbe luire et nuire. Les luire et nuire, nous avons vu qui se termine par U à la fin. Hein, santé. Et maintenant, un autre ensemble de verbes, tous les verbes qui se terminent par indre et par oindre. Hein, les verbes aussi, les verbes ouvrir, couvrir, offrir, donc on va les voir. Les verbes. Alors, ouvrir. Alors, le participe passé du verbe ouvrir, c'est ouvert. J'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte. Fatahtu al-bab. Le verbe courir. Ah, pardon, couvrir. Couvrir. J'ai couvert. Couvert le lit, yani ratta, hein, j'ai couvert le lit, rattaitu al firash. Le verbe offrir, j'ai offert un cadeau à mon ami. هديت هدية لصديقي.
أو أعطيته هدية. كذلك le verbe souffrir. souffrir يعني تألم. j'ai souffert ou j'ai beaucoup souffert يعني تألمت كثيرا. j'ai beaucoup souffert. et le verbe mourir. je suis mort de fatigue. مت من التعب. je suis mort de fatigue. مت من التعب. إذن هذه هي الأشكال الخمسة للparticipe passé. alors قلنا participe passé avec e, avec i, avec u, avec s à la fin, avec t à la fin. وأعطيتكم جميع الأفعال التي تصرف بهذه الأشكال المختلفة. وكما قلت لكم رجعوا إلى الكتاب التصريف الأفعال la conjugaison avec l'échelle. Voilà, je vais ouvrir le chat pour voir donc est-ce que tout est clair. Queer ya taha. Taha yathu. من الطهي أي طبخ. j'ai cuit un œuf يعني طبخت بيضة أو طهوت بيضة. حاضر سأرجع السبورة. alors couvrir هو يغطي. نعم. alors سأعيد السبورة الثالثة. alors هل السبورة واضحة الآن؟ إذا لم يكن هناك سؤال نستمر في الدرس، لأن الآن سنرى متى نستعمل l'auxiliaire être ومتى نستعمل l'auxiliaire avoir. ويبقى أن هذه الأفعال نتمكن منها عندما نستعملها كثيرا وعندما نقرأها. إليغ هي انتخب. إليغ انتخب. إذا لم يكن هناك سؤال آخر نستمر إذن ونمر إلى السبورة الخامسة لنرى l'emploi des auxiliaires être et avoir. متى نستعمل être ومتى نستعمل l'auxiliaire avoir. alors je vais fermer le chat. l'emploi des auxiliaires être et avoir. alors nous commençons par l'auxiliaire avoir. se conjugue avec avoir
se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, revenons à la ligne. Tous les verbes transitifs. Alors, les verbes transitifs, yani les verbes qui ont besoin d'un complément essentiel. Hein, les verbes transitifs, ce sont les verbes qui ont besoin d'un complément essentiel, que ce soit un COD ou bien un COI. يعني هي كل الأفعال التي تحتاج إلى التابع الرئيسي التابع الرئيسي إما complement d'objet direct أو complement d'objet indirect لكي يتم معنى الجملة. يعني les verbes transitifs هي الأفعال المتعدية، نسميها بالعربية الأفعال المتعدية التي تتعدى إلى المفعول. Les verbes intransitifs هي الأفعال اللازمة التي لا تحتاج إلى مفعول. Alors, tous les verbes transitifs, nous avons dit, ils se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Aussi, tous les verbes employés transitivement. Hein, tous les verbes employés transitivement. Bon, je vais mettre un tiret ici. Et aussi, tous les verbes employés transitivement. Tous les verbes employés transitivement. يعني أنها هي في الأصل ليست أفعال متعدية، هي أفعال لازمة، ولكن نستعملها بطريقة متعدية. يعني أعطيكم مثال. Le verbe descendre. Le verbe descendre, c'est un verbe intransitif. يعني فعل لازم. ولكن يمكن أن أستعمله بطريقة يعني أن يصبح فعل intransitif pardon transitif في المثال الآتي. Alors par exemple descendre descendre. Alors je suis descendu. Je suis descendu. أنا نزلت. Hein, je suis descendu. أنا نزلت. Donne son accent ici. Je suis descendu. أنا نزلت. ولكن عندما أقول أنني أنزلت شيئا، أنزلت شيئا، فهنا يصبح الفعل أنزل متعديا. Par exemple, j'ai descendu le bagage. J'ai وفي هذه الحالة يصرف avec l'auxiliaire avoir. Et nous disons que le verbe descendre a été employé transitivement. Hein? J'ai descendu le bagage. يعني أنزلت الأمتعة أو الباجاج يعني من فوق إلى تحت. كذلك بالنسبة للverb monter. Je suis monté. أنا صعدت. Hein? نفس الشيء بالنسبة le verbe monter, sa'atsu ou sa'ada, monter. Alors, je suis monté, ana sa'atsu, lakin, il a sa'atsu shay, aqul, j'ai monté le rideau. J'ai monté le rideau. Yani, sa'atsu sitara. وعليتها
رفعت الستارة. Alors, كذلك le verbe qui se conjugue avec avoir sont le verbe avoir lui-même. Hein? Le verbe avoir lui-même. J'ai eu. J'ai eu. Et le verbe être. J'ai été. Hein? J'ai été. C'est-à-dire le verbe sembler. Sembler. يعني ظهر أو بان على شكل ما إلى semble malade يعني بان على أنه مريض إلى semble malade يعني أنه بان على أنه مريض كذلك le verbe paraître Pardon. Paraître. Non, paraître. Il a paru fatigué. Il a paru fatigué. يعني يظهر عليه أنه تعبان. Et beaucoup de verbes intransitifs qui n'ont pas besoin de complément essentiel, comme le verbe ralentir, donc beaucoup de verbes intransitifs. يعني عكس الفيرب ترانزيتيف يعني هذه الافعال لا تحتاج الى سي او دي والسي او اي ولكنها تحتاج الى الكومبليمون سيركونستانسييل ها alors beaucoup de verbes intransitifs comme le verbe ralentir ralentir يعني خفف السير j'ai ralenti يعني خففت السير j'ai ralenti en arrivant à la ville يعني خففت السير لما وصلت إلى المدينة le verbe pédaler j'ai pédalé le verbe pédaler هو لا أعرف كيف أقولها بالعربية بدالي نستعملها لنسوق الدراجة الحركة التي نقوم بها عندما ندوس على على الدراجة لكي تسير بدالي جي بدالي جي بدالي كذلك le verbe voyager j'ai voyagé le verbe rebondir bondir يعني أن rebondir هي مثلا le ballon rebondit يعني الكرة تضرب في الأرض وترجع هذا نسميه rebondir يعني تقفز la balle a rebondi la balle a rebondi retentir كذلك rougir 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 احمر j'ai rougi كذلك surgir مبعثة surgir مبعثة j'ai surgi etc.
Donc, beaucoup de verbes intransitifs peuvent être conjugués avec l'auxiliaire avoir. Maintenant, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors, se conjugue avec être. Alors maintenant, tous les verbes pronominaux, tous les verbes pronominaux. Pronominaux, c'est-à-dire qu'ils sont à la forme pronominale, ce qu'on appelle aussi la forme pronominale. Ce sont les verbes avec se, hein, les verbes qui sont formés avec le pronom se, comme se promener, se laver, se lever, se transformer, se souvenir, etc. Et aussi se conjugue avec l'auxiliaire être les verbes intransitifs suivants. Les verbes intransitifs suivants. Alors, ces verbes sont le verbe partir. Vous voyez, ce sont des verbes qui expriment le déplacement. Sont des verbes qui expriment le mouvement et le déplacement. Je suis parti, le verbe arriver, je suis arrivé. Le verbe venir, je suis venu. Le verbe tomber, je suis tombé. Aussi, le verbe apparaître. Il est apparu, le verbe rester, je suis resté à la maison, entrer, je suis entré dans la salle, entrer et c'est composé, entrer, rentrer, etc. Sortir. Je suis sorti de la salle. Le verbe monter et descendre. Je suis monté. Le verbe descendre. Je suis descendu. Le verbe passer. Oui. Je suis passé pour voir mes amis. Et attention, le verbe passé aussi peut être utilisé, j'ai passé les vacances, hein, j'ai passé les vacances, il peut être utilisé transitivement, comme le verbe descendre et le verbe monter. Les composés du verbe venir, comme intervenir, revenir, survenir, parvenir. Nous avons aussi le verbe naître, le verbe éclore, le verbe mourir, le verbe décéder, naître, éclore. Éclore signifie ouvrir. Et le verbe mourir et décéder, mourir. Je suis mort et décédé. Il est décédé. Décédé signifie aussi mourir. Hein? Décédé signifie mourir. De même, nous avons aussi le verbe aller, conjugué avec l'auxiliaire, et devenir. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. Voilà. Donc,
J'ouvre le chat pour voir si tout est clair jusque-là. Montée, Ami Saraba. Je suis montée. Samal, descendre, Nazala. Ralentir, Khafafa, Assayr. Oui, pour le verbe monter et descendre, nous utilisons mal l'auxiliaire être, fictionnel intransitif, ou avoir, fictionnel transitif. في أفعال ثانية يا حبيبة أنا قلت أنكم يمكن أن ترجعوا لكي تروا الأفعال كلها يعني هناك 12000 فعل 12000 فعل D'accord, Iman. Ok, Iman. Paraître, bana, hein, paraître, bana, ralentir, khafafasser. Transitif, yani, mutaaddi. Pédaler, alors, transitif, mutaaddi. Pédaler, là, arrive le calime de l'arabie. Ou l'akin, hiya, l'haraka, l'aki, naf'al, l'ikay, tessir l'ajala, l'ikay tessir l'darraja. N'akul ha yibeddel, n'omkin. Anna, là, arrive ma mouradis de l'arabie. Rebondir. Pédaler et non pas dédaler. Rebondir, il y a. Là, arrive que. Hein? Il y a. تقفز عندما مثلا الكرة الكرة عندما أرميها على الأرض فإنها تضرب في الأرض وتصعد هذا نسميه rebondir. نعم الفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول إذا هذا فعل transitif et intransitif أنا كتبت ديدالي نو أنا كتبت بيدالي آه باردون وي 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 جي ديدالي جي بيدالي وي داكور vous avez raison جي بيدالي merci. Les verbes pronominaux, ça a été mis à les verbes pronominaux, par exemple, je me suis réveillé, je me suis réveillé, tôt le matin. تعرفون أن les verbes pronominaux ils se conjuguent avec le pronom se avec se donc par exemple se réveiller se réveiller se réveiller alors je me réveille tu te réveilles il se réveille nous nous réveillons vous vous réveillez Il se réveille. Alors, je me suis réveillé, tu t'es réveillé, il s'est réveillé, nous nous sommes réveillés, vous vous êtes réveillés, ils se sont réveillés. Voilà, il s'est promené au jardin. Elle s'est promenée au jardin, c'est ça. Voilà. Bien. Surgir, il y a... Nbaata, nbaata. Le verbe avoir, le verbe monter, قلت, إذا استعملته
استعمال intransitif يعني لازم أقول je suis monté avec l'auxiliaire être. ولكن إذا استعملته استعمال متعدي أقول j'ai monté le bagage. J'ai monté le bagage. يعني أضيف له تابع أو مكمل. Un complément d'objet direct. J'ai monté le bagage. Alors, هنا استعمل l'auxiliaire avoir. فهمت يا أستاذ محمد؟ كذلك بالنسبة للverbe descendre. Je suis descendu, أنا نزلت. J'ai descendu le bagage, أنا أنزلت الباجاج. كذلك بالنسبة للverbe passer. Je suis passé à côté de chez vous. أنا مررت قرب منزلكم. J'ai passé les vacances en France, par exemple. يعني أنا j'ai passé يعني the West les vacances يعني العطلة في فرنسا. هنا يكون عندي un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect بعد الفعل. فلهذا لابد من استعمال l'auxiliaire avoir وليس l'auxiliaire être. وهذه أفعال استعمالها مزدوج. إذا لم يكن هناك سؤال نمر الآن إلى l'accord du participe passé. L'accord du participe passé. L'accord هو ماذا نسمي الأكور en arabe؟ هو ارتباط البارتيسيب باسي. فوالا توافق. وي توافق البارتيسيب باسي مع لو سوجي. مع لو سوجي. اتونسيون جو دي بيان لو سوجي. alors je vais fermer le chat pour pouvoir écrire et après on va je vais voir si vous avez compris. Alors, l'accord du participe passé. Je vais faire une chose, je vais changer de tableau parce que j'ai beaucoup de choses à écrire, donc pour qu'il n'y aurait pas de rang. Voilà, je vais changer de tableau, c'est mieux. Un nouveau tableau. L'accord du participe passé. Alors, vous devez savoir, donc pour ceux qui ont déjà une connaissance de la langue française, ils doivent savoir que le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Avec le sujet. En genre, ça veut dire féminin, masculin, et en nombre, singulier, pluriel, avec le sujet. Donc, je dis le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accorde يعني تتوافق أو تتطابق en genre et en nombre. genre يعني الجنس féminin ou bien masculin. féminin هو المؤنث masculin المذكر en genre et en nombre. nombre هو العدد يعني singulier يعني مفرد pluriel
الجمع avec le sujet. Hein, je dis bien le sujet, يعني الفاعل. إنها تتطابق وتتوافق مع الفاعل. يعني إذا كان الفاعل مؤنث فإنها تصبح مؤنثة، نضيف لها علامة المؤنث، وإذا كانت جمع نضيف لها علامة الجمع. Alors avec le sujet et je vais donner des exemples. Alors exemple, il est couvert. Il est couvert. يعني أنه مغطى. أنه مغطى. Le féminin, elle est couverte. أضيف E à la fin. E المؤنث. Ils sont couverts. أضيف S الجمع المذكر. والجمع المؤنث L sont couvertes. Couvertes. أضيف E و S يعني féminin المؤنث بالإضافة إلى الجمع S للجمع. هذا مثال. نفس الشيء مثلا pour le verbe comme le verbe partir hein, avec I à la fin. Il est parti. Il est parti avec I à la fin. Elle est partie. Et attention, j'ajoute un E. Ils sont partis. S à la fin. Et elles sont parties. ES à la fin. Alors, هذا بالنسبة l'accord du verbe l'auxiliaire pardon l'auxiliaire être. Alors, le participe passé de verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre féminin masculin et en nombre singulier pluriel avec le sujet. Maintenant, on va voir le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir. Alors, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Ne s'accorde jamais. Abadan. La yatatabak abadan ma'a al-fa'il. Avec le sujet. Al-fa'il. Walakin. Mais. Mais voilà qui. Il s'accorde avec le complément d'objet direct, le COD. Pronom placé avant le verbe. يعني يتطابق مع المفعول أو التابع المباشر عندما يكون ضمير ويكون يعني بلاسي موضوع قبل الفعل avant le verbe. سأعطي مثال. Par exemple, j'ai appris la leçon.
la leçon. يعني حفظت الدرس، حفظت الدرس. لاحظت الصباح je l'ai apprise. وهذا رأيناه عندما قمنا بوضع الضمير محل الكومبليمون دوبجي ديريكت في درس الكومبليمون دوبجي ديريكت. je l'ai apprise. وأضيف الأ لأن la leçon est un féminin. Il est devenu donc pronom, c'est le L apostrophe placé avant le verbe. وضعناها قبل الفعل. Je l'ai apprise. Voilà. Donc, et j'arrête ici. Alors, je vais ouvrir le chat pour voir est-ce que c'est clair. Bon, alors, est-ce que c'est clair? Bien, alors puisque c'est clair, c'est bien. Alors maintenant, il reste des exercices. Les exercices, nous allons les voir jeudi prochain, Inch'Allah. Donc je vous donnerai beaucoup d'exercices à faire pour résoudre donc ce problème du passé composé, hein, la conjugaison des verbes, les auxiliaires être et avoir. Après cette barre la leçon ou les sages, non. Après cette barre la leçon ou les sages. لأن لا لسون حولناها إلى ضمير ووضعناها قبل الفعل، وفي هذه الحالة رغم أن عندنا أن أوكسيليير أفوار نقوم بمطابقة الكومبليمون دوبجي ديريكت مع البارتيسيباسي. أعيدها يعني أعيد الشرح. نعم حين تحول إلى ضمير. Bon d'accord, je vais répéter. Alors avec le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre. Ça on le sait. Hein? كلنا نعرف كل الذين يدرسون اللغة الفرنسية يعرفون أن الparticipe passé avec l'auxiliaire être تتطابق مع le sujet يعني الفاعل وليس المفعول يتطابق مع الفاعل le sujet. وأعطيت أمثلة il est couvert يعني هو مغطى il est couverte هي مغطاة وترون أني أضفت le à la fin de couverte il pardon, ils sont couverts. Ça oui, on a que mouchkila. Ça va. Mais c'est sont huna. Voilà. Alors on a yukin an ada son. Ils sont couverts avec S à la fin et elles sont couvertes avec ES à la fin. Il est parti بدون أي شيء في النهاية لأن مذكر فرد. Elle est partie مؤنث أضيف E. Ils sont partis جمع مذكر أضيف S. ولكن elles sont parties جمع مؤنث أضيف ES. ولكن مع participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir, là, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. يعني عمره ما يتطابق مع الفاعل. ما فيش تطابق أبدا.
إلا في حالة واحدة، ولكن ليس مع الفاعل، مع المفعول أو مع التابع. Il s'accorde avec le COD, le complément d'objet direct pronom, placé avant le verbe. Vous voyez, quand il y a le hala, Abdamir, Moudou, Kabla, Fil, Metelen, Metel, Ladi, Apes, j'ai appris la leçon, Anna, Hafat, Siddars, non, Hafat, Siddars, ou la leçon, il y a le complément d'objet direct, Hawel, Tura, il a Damir, Fas, Bahat, je l'ai apprise. Wale est l'apostrophe le tihuna, hiya tu aouid la leçon, ou hiya tu saoui mu'annet, idem apprise, wadat laha s, pardon, wadat laha e, al mu'annet. Adon. Femme, tiyaniha. طيب اوكي طابلو رقم 5 ساعيده طابلو voilà le tableau numéro 5. Le tableau numéro 4. Voilà le tableau numéro 4. Merci. Alors, je vais reprendre les tableaux depuis le début. Voilà, je poserai donc le tableau numéro 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Voilà le tableau numéro 2. Si vous avez des questions, donc vous me posez des questions, parce que nous sommes à la fin de la leçon. Et après, je vous dirai au revoir et à bientôt. Si vous avez des questions avant que je parte. Je passe au tableau numéro 3. Donc voici le tableau numéro 3. Le tableau numéro 4. وأنت من أهل الجزاء يا حبيبة. Tableau numéro 5. Je t'en prie, Ahlam. Merci, Kess78. Et le tableau numéro 6, voilà. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère que vous avez bien compris ce que nous avons vu aujourd'hui. Et à la prochaine, Inch'Allah. Bonne nuit à tous et à toutes et à jeudi.
إن شاء الله. وي محمد، وي تنستعملو برونومينال، أستغدير لي فيرب برونومينو. هناك أفعال التي لا توجد إلا في الوضعية يعني برونومينال، ولكن هناك أفعال التي تحول إلى لا فورم برونومينال، إلى الشكل الضميري. هذه الأفعال مثلا كوم لو فيرب لافي، عندما يكون الفعل ترانزيتيف لا يكون برونومينال، ولكن عندما يصبح ان ترانزيتيف يصبح برونومينال. مثلا لافي، لافي لا فيسيل، غسل المواعين. سو لافي يعني الإنسان اغتسل، وهنا الضمير يعود على المتكلم، ضمير يعود على المتكلم أو على الشخص نفسه. كذلك لفي quelque chose et se lever. D'autres revendiquent la liberté tel un but en soi. La liberté tel un but en soi est revendiquée par d'autres. La liberté tel un but en soi est revendiquée par d'autres. Voilà comment on passe de la forme active à la forme passive, Yaïman. Le complément d'objet, ou alladhi yusbih sujet. وأنت من أهل الجزاء يا أستاذ محمد. La liberté tel un but en soi est revendiquée par d'autres. Revendiquée, نضيف deux E. E accent E. La liberté est féminin. On a la forme passive. Dans la forme passive, on utilise toujours l'auxiliaire être. شكرا يا نهال. Merci Iman aussi. Merci à toi. Voilà, s'il n'y a aucune question, je vous souhaite une bonne soirée et bonne nuit à tous.